ding-dong. Ce savoureux pain de campagne vous recommande Bordeaux Chenel, véritable rillette du Mans. Bordeaux Chenel. La télécriture Olivetti. Vos textes sont affichés à l'écran. Vous pouvez les corriger avant l'impression. Ils sont mémorisés automatiquement. Vous pouvez les réutiliser et les modifier à tout moment. Olivetti, la télécriture. Je m'envole, c'est terrible. Faire un goût irrésistible. Cacahuète, bien grillé. C'est bien plus chouette et plus léger. Cacahuètes grillées à sec Bénénuts, un goût irrésistible. Sam, 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 Sam. Sam, ah, les belles plantes. Pressurisation, Mikado plus 6. Déverrouillage, contrôle inertiel. Déverrouillage, Mikado, per minute. Effacement des bases. Mikado, plein décollage. Mise à feu. Mikado, un biscuit lu au chocolat fin. 1, 2, 3, 4! Les Maxi, les Mini! Bunny, Bunny! Les Rocky, les Sexy! Bunny, Bunny! Les Baby, les Dandy! Bunny, Bunny! C'est la nouvelle maladie! Bunny, Bunny! Chaussures Buggy! Dans un monde en panne, ça marche mieux, hein? Bunny, Bunny! Chaussures Buggy! Bunny, Bunny! Je m'envole, c'est terrible. Cacahuètes grillées à sec Bénénuts, un goût irrésistible. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Éveil des sens, magie électronique, fascinante couleur, fidélité du sang. Saisissant, sensuel, téléviseur Continental Edison, Saba, l'image fascinante. Dans une heure sur la une, un grand concert avec la symphonie numéro 4 de Robert Schumann. Mais pour l'instant, Terry Van Damisch, comme chaque mois, nous propose son magazine Domino, magazine de création visuelle. Le thème aujourd'hui, les jeunes créateurs français. On dit que Paris et la France ne seraient plus vraiment créatifs. Eh bien, vous allez voir que l'enquête joyeuse que nous propose Domino, conçue un petit peu comme une comédie musicale, va faire voler en éclats toutes ces idées reçues. Pas moins de 70 artistes, qu'ils soient photographes, architectes, dessinateurs, vidéastes, tous les représentants des métiers de l'image, en quelque sorte, seront présents dans cette émission. Un regard à la fois jeune et drôle sur la jeune création française. Je vous invite à suivre ce nouveau magazine Domino tout de suite. Bonne partie. Paris, 1984. En France. En France. Je savais depuis toujours qu'il fallait que je vienne à Paris. Parce que c'est ici que l'ambiance est la plus favorable à la création.